Bienvenue pour cette deuxième session de la semaine Capsule 2021 qui vous propose toute la semaine une série de retours d'expérience sur les enseignements s'étant déroulés sur l'année passée. L'idée est d'alimenter vos réflexions sur la préparation de la rentrée 2021 pour essayer de capitaliser les expériences vécues par les uns et les autres. Nous accueillons aujourd'hui Romain Bernard et Jean-Loïc Le Carrou. Romain est maître de conférence en physique rattaché à l'INSP, Sorbonne Université CNRS, et Jean-Loïc est maître de conférence HDR en mécanique rattaché à l'équipe LAM de l'Institut Jean Leron d'Alembert, également Sorbonne Université CNRS. Ils vont nous présenter des solutions mises en place en L1 pour s'adapter aux contraintes, notamment les amphithéâtres de cours en distanciel et des TD en jauge à 50%. Le tout dans le cadre d'une UE de mécanique à 9 ECTS au deuxième semestre. Je vous précise que cette conférence est enregistrée pour mise en ligne sur le compte YouTube de Capsule. Je vous remercierai de couper votre micro durant le temps de la présentation et vous pouvez poser vos questions à l'écrit dans la discussion. On les reprendra à l'issue de la présentation. Donc, je passe maintenant la parole à Romain et Jean-Loïc, l'un ou l'autre. C'est à vous. Je m'appelle Jean-Luc Le Carrou, et donc avec Romain Bernard, nous encadrons, nous gérons une UE de mécanique physique. Donc le titre, c'est Cours à distance, TD en jauge à 50%, comment maintenir l'étudiant actif dans ses apprentissages. Donc la présentation va d'abord donner un cadre général de l'UE, et puis rappeler aussi les notes de cadrage qu'on a eues en janvier. Donc, ces notes ont permis de définir un cadre qu'on a appliqué, ou tenté d'appliquer tout du moins. Et on présentera deux des modalités pédagogiques qu'on a dans le cadre de l'UE, donc les TD qu'on a mis en comodal et puis des cours en distanciel. Et on essaiera de faire un petit bilan à la fin. Alors, cette UE, effectivement, c'est une UE de 9 ECTS. Elle a la particularité d'être assez récente, hein, 2019-2020. Elle n'a que 2 ans. Elle n'a jamais encore fonctionné en format normal. Elle a tout le temps été donc dans un format, on va dire, dégradé. C'est une UE qui a une particularité aussi, c'est que l'équipe enseignante se trouve entre deux UFR, l'UFR 919 et 925. Donc, il y a 4 modalités pédagogiques, théoriquement, on va dire, dans une situation normale. Donc, des cours magistraux, des travaux dirigés, des RP, des résolutions de problèmes, donc de l'apprentissage actif, et des TP. On a à peu près 900 étudiants, dont une petite centaine d'étudiants à distance, EAD. Donc, au niveau volume, ça correspond à peu près à 7 amphis, 32 groupes de TD, 62 groupes de TP et de RP. Alors, pour les retours un peu sur les contraintes qu'on a eues cette année, donc on a eu un message le 11 janvier 2021 de Nicotte qui nous a précisé que pour le L1, mise en place d'une jauge à 50% pour les TD, maintien des cours magistraux en distanciel, TP évaluation sont autorisés en présentiel. Et il y a eu l'arrêté du 22 janvier 2021 qui a fixé le nombre d'heures d'enseignement en visioconférence dispensées pour les étudiants à 5 heures par jour au maximum et limité à 25 heures par semaine. Donc, on a dû effectivement adapter nos modalités pédagogiques, notamment en cours et TD, puisque les RP et les TP sont des modalités de travaux pratiques, donc ont pu être effectuées en présentiel. Alors, donc les règles, c'est cours magistraux, ce qu'on vient de dire à distance, les TD distanciels, une semaine sur deux, avec une alternance AB qui est fixée tout le semestre, qui est liée à l'ordre alphabétique, il me semble. Les TP, donc on a, pour avoir des distances, on va dire réglementaires, les TP se sont déroulés en monôme, mais les RP en format habituel. On a eu théoriquement aussi 12 semaines d'enseignement, mais avec le contrôle continu intégral, ça a aussi limité le nombre de semaines d'enseignement. Mais bon, on va dire qu'on est parti sur cette base-là. Du côté de l'étudiant,
Donc, une semaine sur deux en totale autonomie, c'est-à-dire que bah, il n'y avait plus de cours en présentiel. Globalement, un temps de travail plus long pour les activités totalement à distance. On a aussi, donc un élément aussi important, c'est que l'accès informatique et réseau est potentiellement limité pour l'étudiant. Le fait aussi que l'attention est relativement plus faible en enseignement synchrone de longue durée, donc derrière un écran, et que globalement les journées sont potentiellement plus longues et fatigantes devant l'ordinateur. Donc ça, c'est des contraintes qu'il faut aussi prendre en compte quand on définit des modalités pédagogiques. Les choix que nous, on a faits, c'est pour les cours magistraux, donc on a essayé de faire de l'enseignement inversé, c'est-à-dire qu'on proposait, donc on reviendra là-dessus, mais un certain nombre d'éléments, donc un polycopier, des capsules vidéo, des quiz, et puis une séance courte de réponse aux questions synchrone. On reviendra là-dessus. Donc, l'idée étant de limiter l'enseignement synchrone au maximum. Donc, les travaux dirigés étaient en autonomie une semaine sur deux, et on a décidé de pouvoir quand même le proposer aux étudiants à distance via la mise à disposition d'un kit. Voilà, et donc et de divers outils. On reviendra aussi là-dessus. Après, pour les TP, on en a parlé un peu tout à l'heure. Et on a essayé de tout commencer dès le début du semestre, le 25 janvier. Alors, tout ça, évidemment, c'est un peu compliqué pour les étudiants. Il y a plusieurs modalités pédagogiques. Il y a des séances qui se font en présentiel, en distanciel. Donc, on a essayé de scénariser un peu nos activités. Donc, pour ça, on leur présentait un dessin, on va dire. En fonction de la semaine, s'ils étaient en semaine présentielle ou distancielle, ils avaient cette affiche qui s'affichait dans Moodle en fonction de la semaine en question. Donc, s'ils étaient dans une semaine dite présentielle, ils avaient l'affiche à gauche qui était proposée, et s'ils étaient en semaine distancielle, c'était affiche à droite. Donc, pour chacune des modalités, donc, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y avait mon travail avec le petit livre. Est-ce que je peux assister à une séance vidéo? Voilà, il y avait la petite caméra. Il y avait le travail que j'ai à faire là, avec la petite feuille avec un crayon. Et puis, si je suis en présentiel, je suis à l'université, où je dois aller. Donc, on avait essayé de scénariser pour rendre l'étudiant un peu plus clair par rapport à toutes les choses qu'il avait à faire dans le cadre de cette U. Donc, chaque semaine, il avait cette image, plus les éléments qu'on lui mettait à disposition, que ce soit des documents PDF pour évidemment un usage hors ligne, puisqu'on savait aussi que l'usage de l'Internet pouvait être limité. Et on proposait aussi des petites capsules vidéo pour sur une sélection d'objectifs pédagogiques et des quiz d'auto-évaluation. Donc, chaque semaine, il avait ça prêt dans son répertoire. Alors, juste, on va faire un bilan et donc une analyse de ce qu'on a mis en place. Les outils qu'on a utilisés, là, c'est Zoom Pro, et notamment le fait qu'on puisse récupérer les taux et les pseudos des gens qui sont allés qui se sont connectés sur Zoom Pro, puisque les séances de cours étaient sur Zoom Pro. On a utilisé Panopto pour les vidéos mises à disposition en asynchrone, Moodle, donc on a aussi un certain nombre d'informations, et puis on a utilisé les notes de l'UE pour la première session. Et on a proposé des questionnaires aux étudiants. On a fait un questionnaire à peu près à mi-UE le 17 mars. On a eu 408 réponses sur à peu près 900 étudiants. Et des questionnaires pour les enseignants, notamment pour faire un bilan sur le comodal, donc le 18 mars et le 21 juin. Voilà. Donc ça, c'est les outils. Enfin, on va utiliser les résultats de ces outils et de ces questionnaires pour cette présentation. Donc là, on va présenter ce qu'on a mis en place pour les séances de TD en comodal. Alors, on a mis en place donc des sujets de TD classiques qui étaient disponibles en ligne, donc les sujets, on va dire classiques en PDF, des sujets avec indices pour chaque question, c'est-à-dire on s'est dit si un
Quand on fait TD, souvent, ben, on a des sujets pour lesquels les questions sont peut-être pas si claires que ça. Donc, souvent, on aide un peu les étudiants, on les oriente si jamais ils sont bloqués. Donc, c'était ces orientations qu'on a indiquées dans ces indices. Et on a proposé aussi des sujets avec des TD avec une correction relativement détaillée. Normalement, il y avait quasiment tout sur la correction pour vérifier qu'on avait trouvé le bon résultat ou appliqué une méthode qui était proposée. Lorsque les étudiants étaient sur le campus, ils avaient donc un enseignant, donc un groupe de 15. Et lorsqu'ils étaient à distance, on leur a proposé qu'ils puissent suivre leur cours avec leur groupe. Donc pour ça, on a mis en place des kits à disposition des enseignants, donc 4 kits en libre service, puisqu'on a au maximum 4 groupes de TD en parallèle. Donc ce kit, c'était donc une tour Logitech Connect là, qu'on voit sur l'image, là, au-dessus du tabouret. Un ordinateur portable, un micro HF, un vidéoprojecteur, une tablette graphique qui était disponible et multiprise et câble Ethernet. On a fait ouvrir des fiches Internet, enfin Ethernet, pour sur chacune des salles de TD, pour pouvoir avoir une connexion qui n'était pas une connexion Wi-Fi mais filaire. Alors, des petites informations sur les effectifs de présence. Donc là, vous avez un certain nombre de graphiques. Le bleu clair, c'est ce qui a été indiqué à mi-UE, donc le 17 mars. Et le bleu foncé, c'est en fin d'UE. Donc là, c'est un sondage auprès des enseignants. Donc les effectifs en TD sur le campus, on remarque globalement une présence importante, on va dire, en début mi-UE, évidemment, sur la fin du UE, enfin, évidemment. La conséquence de la fin du UE, c'est que l'effectif s'est baissé. On voit que là, on a plus de groupes où il n'y a plus que 25 à 50% de présence, sachant que les étudiants étaient 15, hein, donc 25, c'est, il reste 6-7 étudiants dans la salle, jusqu'à 0% d'ailleurs, certains groupes. Et pour les effectifs à distance, on voit qu'au début, il y avait donc quasiment dès le début de l'UE, on va dire que c'était autour de 50% de présence à distance, jusqu'à à la fin du UE, un taux qui était relativement faible. Alors, on avait posé la question aux enseignants, pourquoi, selon vous, les étudiants ne se connectent pas? Donc là, semble-t-il, on reviendra un peu là-dessus, mais il semble quand même que les enseignants pensent que la qualité était suffisante. On voit que les taux de réponse sont assez bons. Bon, c'est peut-être une question sur laquelle on pourra revenir, notamment avec le retour des étudiants. 77% des enseignants ont utilisé le kit. Alors, il faut dire qu'il y a des enseignants qui n'avaient pas besoin d'utiliser le kit parce qu'ils avaient affaire à des groupes qui étaient déjà en demi-jauge. Donc, une semaine sur deux, ils étaient à distance totale et une semaine sur deux en présence totale. Donc, c'est aussi, ça peut expliquer ce 77%. Et 80% de ces enseignants qui ont utilisé le kit ont filmé avec la webcam le tableau et utilisé le micro ou pas. Et 8%, ce qui correspond à peu près à deux enseignants, ont utilisé la tablette avec projection dans la salle. Donc, projection avec le vidéoprojecteur et partage d'écran dans Zoom. Alors, côté enseignant, un peu des retours assez contrastés en fonction des groupes. Globalement, ce qui a été identifié comme problème, c'est des problèmes techniques, hein, on s'en doutait. C'est globalement, c'est assez difficile à mettre en place. Ça demande notamment de prendre du temps, notamment soit de venir 15 minutes avant, mais des fois entre deux groupes de TD, c'était difficile, donc ça fait perdre du temps dans la séance pour installer le matériel. La connexion filaire, elle a posé des problèmes malgré le fait que tout normalement était théoriquement ouvert. Bon, il s'est arrivé qu'il y a eu des problèmes de connexion, des problèmes de câble, et ainsi de suite. Du côté des étudiants, il y a aussi des problèmes de connexion. Donc, les séances synchrones, ça pose un certain nombre de soucis à ce niveau-là. Et alors, les étudiants utilisent beaucoup les messages par écrit, mais effectivement, quand on fait son TD, ce n'est pas très pratique d'avoir des messages écrits. Donc, il y a certains enseignants qui ont demandé à des étudiants d'être secrétaires. Enfin, voilà, ça ne facilite pas forcément les interactions. Et ce qui a été remarqué aussi, c'est que la webcam choisie avait un champ relativement limité.
et une trop faible résolution pour avoir un écran qui était propre. Bon, bah, c'est des choses qu'on pouvait aussi imaginer, mais bon, c'est des retours qu'on a eus aussi. Alors, l'autre point important, c'est la relation avec les étudiants. Clairement, là, ça a manqué d'interaction avec les étudiants qui sont à distance. Quand on fait son TD en présentiel, bah, voilà, la relation avec les étudiants à distance est compliquée. Certains enseignants ont identifié aussi des lacunes sur les points traités lorsque l'étudiant était en ligne, puisqu'une semaine sur deux, il revenait sur le campus. Donc, certains enseignants rebalayaient avec eux ce qu'ils avaient fait en ligne et ils voyaient clairement que ça n'avait pas été acquis. Et on a vu aussi des évolutions du taux de présence clairement liées à des modifications de planning. On a eu un lundi de Pâques qui nous a fait décaler nos semaines A et B. Et à partir de là, il y a eu une partie non négligeable des étudiants qui étaient complètement perdus pour savoir dans quelle semaine ils étaient, malgré l'ensemble des documents qu'on a pu mettre en place sur Moodle. Je pense que voilà, ils avaient du mal à s'y retrouver. Et puis, bon, après un contrôle, là, il y a un taux de présence aussi qui chute. Globalement, pour avoir 30 enseignants en TD, là, c'est différent. Ça nécessite d'avoir un dispositif technique très simple à installer et à utiliser, robuste et efficace, ce qui est, pour lequel, là, c'était un peu compliqué. Alors, du côté des étudiants, il y a 64% donc à mi-E qui déclarent participer aux séances de TD en synchrone. Et pour ceux qui ne se connectent pas, il y en a 62% qui trouvent qu'ils ont suffisamment de documents, 32% qui trouvent que la vidéo et le son est de mauvaise qualité, et 17% qui ont une connexion Internet insuffisante. Donc 74% travaillent avec le document mis à disposition. Donc on se demande les 26% avec matériaux, mais bon, ça c'est une autre question. Et 66% exploitent les indices donc des TD, 82% trouvent les corrections détaillées adaptées par rapport à leurs besoins. Alors là, on a mis un petit peu des commentaires des étudiants. C'est assez intéressant de voir un peu comment ils ont formalisé un certain nombre de remarques. Alors, ou de conseils aussi. Alors, ils voulaient qu'on fasse des vidéos de correction pour les TD en distanciel. Donc, c'est une demande qui était assez récurrente. On reviendra un peu sur cette demande. Là, on a « mais pour les TD, je ne vois pas l'intérêt de venir à l'école ». Donc, on voit clairement que certains étudiants privilégient complètement le distanciel pour cette modalité pédagogique. Lire des PDF toute la journée est déprimant, je le conçois tout à fait. Donc, c'est vrai que pendant la semaine à distance, si les étudiants n'utilisaient aucune modalité, on va dire, synchrone qui était proposée, c'est vrai que ça pouvait être assez aride. Il est assez difficile de cerner comment résoudre certaines questions car elles sont parfois posées trop généralement. Alors ça, c'est une remarque assez intéressante au sens où les TD qu'on a proposés, c'est les TD qu'on utilisera en situation normale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été conçus spécifiquement pour le mode à distance. Donc, effectivement, certaines questions sont peut-être floues ou peut-être mal posées, mais elles nécessitent souvent une part importante de l'enseignant pour repréciser les choses. C'est vrai qu'on n'avait pas, on n'a pas re-rédigé tous les énoncés par ce biais-là. C'est pour ça qu'il y avait les indices, pour finalement aider les étudiants à pouvoir résoudre avec quelques éléments de précision. Et donc, il y a des étudiants, évidemment, qui se sont complètement passifs lors des séances de TD. Alors ça, je pense que ce n'est pas vraiment propre au cas du comodal. En direct aussi, certains étudiants sont complètement passifs. Alors, le bilan, c'est qu'on a remarqué que pour certains groupes, les séances se sont très bien passées. Il faut quand même le noter. Pour d'autres groupes, il y a eu des difficultés techniques et ce qui a découragé des étudiants, mais aussi des enseignants. Les étudiants présents en salle de TD sont en général assez peu actifs. C'est encore plus vrai pour les étudiants à distance. On a parlé un peu de ce problème d'interactivité. Alors, il y a le problème des vignettes noires. Alors là, on peut regarder, tiens, c'est un bon exemple. Bah là, vous voyez, il y a plein encore de vignettes noires. Donc, c'est un élément qui est aussi extrêmement déstabilisant quand on est enseignant, hein. Bon, bah, tout à l'heure, je mettrai ma vignette noire quand Romain parlera. C'est vraiment un problème puisque en tant qu'enseignant, on est complètement démuni pour savoir si finalement
ce qu'on a proposé a été intégré par les étudiants. Et donc, pour engager une conversation, c'est encore plus délicat. Le taux de présence est extrêmement sensible, comme je disais tout à l'heure, moindre modification ou sollicitation extérieure aussi, évidemment, dès qu'il y avait des rendus, des préparations de TP, ainsi de suite, il y avait toutes les excuses pour remettre à plus tard, finalement, ces travaux dirigés. Globalement, c'est une modalité pédagogique plus difficile techniquement et pédagogiquement que si on faisait 100% en distanciel ou 100% en présentiel. Là, ça demande une charge, on va dire, cognitive plus importante. Mais alors, il faut quand même repréciser, ça c'est un commentaire d'un étudiant, néanmoins, quand même, le lien physique était intéressant pour une partie au moins des étudiants. Par exemple, je cite, « J'ai besoin d'avoir des explications sur les phénomènes physiques et pour cela, je profite pendant les séances où je suis en présentiel lors de mes TD. » Donc, on voit qu'une partie des étudiants a quand même utilisé cette modalité pour essayer de pallier les manques occasionnés par le distanciel. Alors, je vais laisser la parole à Romain pour la partie cours. Donc, pour les cours, je vous rappelle un peu le contexte et la problématique. C'est, donc Jean-Loïc le précisait au début, il y a eu des consignes de la présidence de Sorbonne Université demandant de réduire le temps que les étudiants passaient à regarder des vidéos. Et c'était aussi quelque chose qui était remonté de la part des enseignants du premier semestre avec qui on avait eu une réunion avant le début de l'UE et qui nous avait fait remonter que, effectivement, les étudiants, pour eux, les vidéos, c'est extrêmement chronophage. Surtout les vidéos de cours complètes qui peuvent, sur lesquelles ils ont tendance à faire des arrêts, des retours en arrière pour bien noter tout ce que l'enseignant a dit, etc. Donc, c'est les vidéos de cours très longues, ça apparaissait comme une activité extrêmement chronophage et il y avait une demande de SU de réduire le temps de vidéo des étudiants. Donc, on a décidé de partir sur une modalité d'enseignement de cours où il n'y aurait pas de vidéos de cours longues. Donc, on a souhaité que les étudiants y travaillent essentiellement en se basant d'une part sur le poly qu'on a mis à leur disposition, qui est assez, assez détaillé. Et pour accompagner ce poly de cours, on a également tourné des vidéos, mais des vidéos courtes, des vidéos qui faisaient typiquement 10-15 minutes, il y en a peut-être une ou deux qui étaient un tout petit peu plus longues, qui avaient pour objet de parler d'un point précis, d'aborder des objectifs pédagogiques particulièrement importants ou un peu plus difficiles, ou qui avaient pour objectif de présenter, par exemple, une manip de cours qui permet d'illustrer un point du cours. Donc, en plus du poly, il y avait ces vidéos courtes. Il y avait également des quiz qui pouvaient être utilisés par les étudiants pour tester leurs connaissances et leur apprentissage du cours. On a mis, en plus de ces modalités, on voulait quand même avoir un dispositif qui permette aux étudiants d'échanger avec leurs enseignants. Mais pour ça, il fallait prendre en compte le fait que tous les étudiants, avec l'alternance semaine AB, ils ne seraient pas forcément disponibles à distance pour se connecter pendant les horaires des séances de cours et éventuellement poser des questions. Donc, on a mis en place sur Moodle un formulaire de dépôt où les étudiants, pendant toute la semaine, ils étaient incités à lire le poly de cours et à poser leurs questions. Et donc, pendant les séances de cours magistral, elles étaient dédiées essentiellement à répondre aux questions qui avaient été posées par les étudiants. Donc ça, c'est la base qu'on avait posée au départ, c'est que les séances de cours, elles devaient être composées d'une part d'un plus ou moins petit résumé des points importants du cours, et ensuite, elles devaient être utilisées pour répondre aux questions que les étudiants avaient déposées dans la boîte de dépôt pendant la semaine ou que les étudiants pouvaient poser en direct pendant la séance. Et donc, en plus de ça, donc à la fin de chaque semaine, on rédigeait également une fiche de synthèse avec les réponses aux questions qui avaient été posées et qui étaient mises à disposition de tous les étudiants, notamment pour que les étudiants qui n'auraient pas pu suivre pour des questions de planning leur séance de cours en direct aient tout de même accès aux réponses aux questions qui avaient été données.
Donc, maintenant, si on fait un, essaye de faire un bilan côté enseignant, donc là, comme les séances, on avait un compte Zoom Pro qui était le même pour tous les enseignants pour assurer les séances, on a pu récupérer les données de connexion et voir et déterminer le pourcentage d'étudiants connectés chaque semaine. Donc là, on a représenté sur le graphique le pourcentage d'étudiants qui ont assisté ou du moins qui se sont connectés à la séance de cours pour chaque semaine. Donc, vous voyez qu'il y a une chute. On est parti avec 80% de présence et il y a une chute assez importante quand même. On a terminé vers à peu près 20% de présence. Alors, la baisse vraiment à 15% sur la semaine 11, en fait, elle est pas tout à fait réelle. Il y a un groupe que je n'ai pas pu inclure. Je n'avais pas les données sur un des groupes pour cette semaine-là. Il y a dû y avoir un petit micmac. Donc, il manque un petit groupe. Donc, en fait, on a dû finir aux alentours de 20%. Donc, c'est quand même une baisse quand même vraiment importante. Bon, alors, il faudrait relativiser à la baisse qu'on aurait eue en temps normal, mais qui aurait été importante également, mais quand même probablement moins que ce qu'on a eu cette année. Donc, ces séances de cours, c'est des séances de cours qui nécessitaient quand même un travail régulier en amont de la séance. Les étudiants étaient censés lire le poly de cours et venir en séance pour poser des questions et pour écouter les réponses aux autres questions qui avaient été posées par les étudiants. Et ça, c'est un point qui a posé problème à un nombre important d'étudiants, cette nécessité d'avoir travaillé le poly avant de venir à la séance de cours. On a eu quand même des retours assez positifs concernant l'utilisation de quiz via l'outil Zoom pour animer la séance. Donc, en cours de séance, en général pendant la phase où on faisait le résumé des points importants, on pouvait se permettre de poser des quiz sous la forme d'un petit exemple ou d'une application directe du cours. Et ça, les étudiants ont réellement apprécié cet aspect-là. On a eu spontanément des retours assez positifs. Donc là, pendant les cours, si on se place toujours du côté des enseignants, c'est comme pour les TD, c'est quand vous êtes face à un ensemble de vignettes noires et que lorsque vous posez des questions, il y a personne qui répond ou qu'au bout de quelques dizaines de secondes, il y a un petit message qui vient s'afficher sur le côté « Non, je n'ai pas de questions ». Bah, c'est un peu compliqué, quoi. Les interactions sont vraiment très difficiles avec les étudiants. Et l'animation de la séance, au final, on constate qu'elle va reposer sur un tout petit nombre d'étudiants. Si vous avez deux ou trois étudiants qui ont potassé le cours, qui ont envie de poser des questions, tout de suite, ça peut rendre la séance assez vivante. Si ces deux ou trois étudiants ils sont pas là, c'est assez mortel, quoi. Donc là, on a rassemblé encore un certain nombre de réponses qu'on a tirées du questionnaire qu'on a envoyé aux étudiants, notamment sur une question qui s'adressait aux étudiants qui ne participaient pas, qui affirmaient ne pas participer aux séances de cours. Et on leur a demandé pourquoi est-ce qu'ils ne participaient pas aux séances de cours. Donc, dans les réponses un peu les plus courantes, il y avait des réponses du type « je suis en retard dans l'apprentissage du cours » ou « je n'ai pas eu le temps de lire le poly, donc je n'ai pas de questions à poser » ou « ce n'est pas un cours, mais juste des réponses aux questions, ces séances n'aident pas à comprendre le cours »,« je ne ressens pas le besoin d'y assister car souvent les questions posées ne me concernent pas »,« le poly de cours est suffisant, je préfère travailler en autonomie »,« je n'arrive pas à me concentrer en assistant aux cours par visio avec des créneaux horaires imposés » je n'arrive pas à me concentrer lors de ces séances ou j'ai des problèmes de connexion Internet. Donc là, on vous a mis deux retours d'étudiants un peu plus fouillés qu'on a trouvé particulièrement intéressants. Donc le premier, le premier étudiant, il nous dit « En pratique, l'alternance présentielle-distancielle fait que j'enchaîne des semaines surchargées pendant lesquelles j'accumule du retard, suivi de semaines sans cours ou presque pendant lesquelles je rame pour rattraper ce même retard. » Dans ce contexte, un cours de questions-réponses représente pour moi 1h50 de perdu pour 10 minutes utiles si je suis à jour de la feuille de route, ce qui a dû m'arriver deux fois depuis le début du semestre. Donc là, à travers ce témoignage, on voit qu'il y a la difficulté d'arriver à avoir un travail régulier, être à jour de son travail dans le cours et
arriver en séance de cours en ayant bien lu le poli et en ayant des questions qui sont prêtes à être posées et en étant prêt à comprendre les réponses que l'enseignant va apporter aux autres questions qui ont été posées. Donc ça, c'est une difficulté. Et même lorsque il a travaillé son cours, il considère qu'assister juste à une séance de réponse aux questions, eh bien, il va peut-être y avoir une faible partie du temps pendant laquelle effectivement l'enseignant va répondre à des questions qui se posent et qui lui seront utiles, mais il y a une bonne partie du temps qui considère comme perdu parce qu'il s'agit de réponses à des questions que lui ne se pose pas. Voilà. Alors, le deuxième étudiant, ce qu'il nous dit, c'est « je trouve le format… » Donc là, c'est un retour plus positif qu'on a eu. « Je trouve le format innovateur. D'autres UE proposent également des séances de questions-réponses, mais le rendu est moins peaufiné. Il s'agit souvent d'une heure où le professeur est simplement assis devant l'écran à attendre des signes de vie de notre part, alors qu'en mécanique, j'ai l'impression qu'il y a eu une réelle prise en main et volonté de la part des professeurs à faire quelque chose qui est aussi proche d'un cours magistral que possible. À titre personnel, j'aurais préféré que le cours se déroule lors de la seconde heure de cours magistral de l'emploi du temps, car les semaines où je suis en présentiel, je n'arrive pas à rentrer à temps pour assister à toute la séance. » Donc ça, ça a été une… Alors, la fin de cette intervention, ça souligne une des difficultés qu'il y a eu avec l'alternance semaine A et semaine B. Les étudiants qui étaient en présentiel, en semaine présentielle, donc qui étaient sur le campus, ils n'avaient pas forcément la possibilité simplement de se connecter pour suivre la séance de cours qui était retransmise. Et donc, le début de son intervention, il met un peu en avant le fait qu'il y avait 7 amphis et il y a eu des différences sur la façon dont les séances de cours ont été gérées. On avait posé un canevas de départ qui était petit résumé de cours et réponse aux questions. Après, on a l'impression qu'il y a certains enseignants qui se sont tenus à ça de façon extrêmement rigide, avec un résumé de cours extrêmement bref et une séance essentiellement dédiée aux réponses aux questions. Et il y a d'autres enseignants, et je pense que c'est notamment le cas de Jean-Loïc et moi, où en fait, la partie résumé de cours a pris une part plus importante et où il y a eu une part, où il y a eu quelque chose qui commençait à ressembler un cours, alors en version réduite parce qu'on a essayé de limiter quand même le temps de ces séances pour suivre les directives qu'on avait, mais donc il y avait une partie résumée de cours qui arrivait en plus des réponses aux questions et qui a été appréciée. Donc là, en fait, cette seconde intervention, elle montre que le format où on propose juste une séance qui est purement de la réponse aux questions posées par les étudiants, c'est un peu aride et il y a beaucoup d'étudiants qui ne s'y retrouvent pas sur ce genre de séance. Ça ne suffit pas pour animer une séance de cours comme espace d'échange. Simplement répondre aux questions, ça apparaît comme insuffisant. Donc, ce qui remonte un peu de ces retours, c'est une grande disparité entre la charge de travail selon qu'on est en semaine présentielle ou semaine distancielle, avec des difficultés à gérer cette disparité de la charge de travail par les étudiants. Le format qu'on avait retenu pour les séances de cours, ça nécessite vraiment d'être à jour dans ses apprentissages, ce qui est difficile pour les étudiants. La difficulté d'enchaîner des séances à distance et des distances en présentiel lorsque ça tombe pendant la même journée. Et donc je l'avais dit auparavant, on a eu quand même quelques remontées assez positives sur l'utilisation des quiz pendant les séances de cours. Donc, en complément des supports écrits et de ces séances de cours réponses aux questions, on avait proposé donc des vidéos courtes, typiquement 10-15 minutes, avec typiquement 2 à 3 vidéos chaque semaine. Et donc, on a pu utiliser les outils de Panopto pour regarder un peu les statistiques d'utilisation de visionnage ou de téléchargement de ces vidéos. Donc là, c'est un exemple pour la semaine du 22 mars. Et donc, on peut voir un peu comme ça qu'il y a une première bosse, il y a un premier pic au moment qui correspond aux deux semaines correspondant au cours associé à cette vidéo. On a un deuxième pic un peu plus tard, aux alentours du 2 mai, qui précède tout juste le CC qui a eu lieu. Et puis, on a un petit rebond, on a eu quelques consultations avant l'épreuve de seconde chance au mois de juin. Après, donc, sur cette vidéo particulière, on a eu 483 consultations par rapport à 900 étudiants, donc quand même
pas loin de la moitié des étudiants qui ne se sont pas donné la peine d'aller consulter les vidéos, ces vidéos. Et en moyenne, sur 11 vidéos, on a à peu près 275 consultations par vidéo. Donc, on voit que c'est des résultats qui sont quand même assez faibles pour une modalité qui est quand même simple d'utilisation, qui n'est pas très chronophage. Regardez une vidéo où on va vous faire un résumé sur le ou les points les plus importants du cours pendant une quinzaine de minutes. Alors justement que les étudiants sont pas mal plaints de ne pas avoir de vraies séances de cours, on constate que malgré tout, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas fait l'effort d'utiliser ce support. Donc, si on prend un peu les commentaires concernant les vidéos qu'on a eues dans le sondage, les vidéos sont un bon complément pour la compréhension du cours, néanmoins, certaines vidéos sont un peu courtes. Serait-il possible de faire des vidéos un peu plus longues et plus détaillées ? Je préfère travailler le cours en autonomie à l'aide des vidéos de cours disponibles. Je regarde les vidéos de cours qui sont très utiles. Les vidéos de cours me suffisent. Personnellement, je trouve que les vidéos de cours mises sur Moodle sont beaucoup plus efficaces que les cours sur Zoom, car avec les vidéos, on est plus libre de regarder, d'arrêter le temps, de noter, de revisionner la vidéo le temps qu'on veut, surtout si on a déjà un aperçu sur quelques parties. Donc, on a eu un taux de relativement faible de consultations, mais des retours assez positifs sur ces capsules vidéo, avec quand même quelques questions qui émergent, parce que vous voyez que la première intervention, l'étudiant, il aurait voulu des vidéos plus longues et plus détaillées. Et la dernière intervention, l'étudiant dit « Ah ben les vidéos, c'est bien, on peut les regarder plusieurs fois, on peut arrêter, revenir en arrière, noter. » Mais du coup, ça peut avoir tendance à devenir extrêmement chronophage comme modalité pédagogique. Et ça, c'est un défaut qui avait été quand même pointé du doigt par les enseignants du premier semestre, le risque que ce genre de modalité devienne extrêmement chronophage pour les étudiants. Alors, donc, on avait mis également en place des quiz pour permettre aux étudiants de tester leurs connaissances. Donc, c'est Boris Doval qui a fait ce très gros travail et on le remercie parce que c'est un travail qui est extrêmement chronophage et qui pourtant, c'est très, très utile. Nous, l'idée qu'on avait derrière la mise en place de ces quiz, c'était de proposer aux étudiants chaque semaine des quiz qui soient donc soit directement des questions de cours ou des applications assez directes du cours. Et donc, l'idée, c'est de faire comprendre aux étudiants que quand on veut voir si on a compris un cours, si on a retenu les éléments importants d'un cours, eh bien, il ne faut pas aller relire sa fiche de révision ou relire son poly de cours. C'est pas... En fait, il faut se tester sur des questions, il faut se poser la question, est-ce que je connais la définition de telle grandeur ? Est-ce que je sais énoncer tel théorème ? Est-ce que je sais appliquer sur un cas très simple tel théorème ? C'est comme ça qu'on sait si on a retenu les concepts importants et si on sait les appliquer. Donc, c'est un outil qui est important. Et là, sur le graphique de gauche, je vous ai représenté le taux de participation au quiz. Et donc, il y avait des quiz, il y en avait chaque semaine. Il y avait une série de quiz qui portaient sur des questions directes du cours et une autre série sur des applications du cours. Et donc là, on voit que on est parti d'un taux de participation autour de 60% pour la première semaine, à un taux en dessous de 20% à la fin du semestre. Donc là, on a eu une chute importante de la participation à ces quiz et un pourcentage d'étudiants qui ont fait le pourcentage d'étudiants qui a fait la majorité des quiz, c'est aux alentours de 20%. Donc c'est faible pour un outil qui est quand même très utile. Et donc là, sur le graphique de droite, on s'est amusé à corréler le pourcentage des quiz qui ont été effectués à la note moyenne obtenue à l'écrit par les étudiants. Et donc là, on a quasiment une droite. Donc bon, là, on enfonce des portes ouvertes. Hein. C'est les étudiants qui travaillent le plus, qui réussissent le mieux. Mais bon, là, on a un résultat, c'est une mesure assez directe. Hein. Donc, les étudiants on a eu quelques retours. On n'a pas eu beaucoup de retours sur pourquoi les étudiants font pas les quiz, mais les quelques retours qu'on a eus, c'est grosso modo, les quiz ne sont pas notés, donc je ne vais pas passer du temps à les faire, quoi. Et alors après, il y a aussi des choses que nous on pourra améliorer. Il y avait quand même, on a eu en particulier une étudiante qui a fait tous les quiz et qui nous a fait beaucoup de retours. Et donc, c'est une étudiante, moi je l'avais en TD.
de bon niveau à la base, très motivée, elle a beaucoup travaillé et tout. Et elle a quand même été un petit peu par moment découragée sur certains aspects des quiz. Notamment, il y a sur certains exercices, il y avait un tirage au sort des exercices. Et donc, le problème, c'est que si on se plante sur un exercice, si on n'arrive pas à le faire et qu'on essaye de le refaire, on ne va pas forcément retomber sur le même. On va peut-être avoir un autre exercice. Et du coup, on n'a pas la possibilité de tester une autre stratégie sur le premier exercice où on s'est trompé. Donc ça, c'est... Et puis, il y avait certains exercices, même si c'était une étudiante de plutôt bon niveau, elle n'a pas réussi à les faire et il n'y avait pas de remédiation directe. Alors, on en a fait pour quelques exercices, on a fait un peu de remédiation pendant les séances de cours, mais il y a eu beaucoup d'exercices où il n'y avait pas de remédiation et ça, c'est un peu difficile pour un étudiant qui essaye, qui n'arrive pas et qui ne sait pas où il s'est planté et de ne pas avoir de retour là-dessus. Donc là, il y a peut-être des choses qu'il faudrait qu'on améliore à ce niveau-là. Donc, maintenant, on peut essayer de faire un peu un petit bilan global de cette année difficile. Alors là, si je me place un petit peu du point de vue des responsables de l'UE et de la gestion de l'UE, une des difficultés à laquelle on a été confronté, c'est... Donc, nous, on est parti un peu sur l'idée qu'il fallait, notamment pour les TD, proposer des activités synchrones et interactives. Donc, c'est pour ça qu'on a fait acheter les kits, pour que les enseignants puissent retransmettre leurs séances en direct, que les étudiants à distance puissent les suivre. Mais d'un autre côté, il fallait également qu'on prenne en compte le fait qu'il pouvait y avoir des étudiants qui n'aient pas de connexion, qui n'aient pas la possibilité de se connecter. Et il fallait quand même que ces étudiants-là ils aient les moyens de travailler correctement. Et donc, si on prend l'exemple des cours, ça nous a obligés d'une part à avoir des notes de cours assez détaillées. Donc, on a mis en place les séances de réponse aux questions pour proposer une séance d'interaction directe avec les étudiants pour qu'ils puissent interagir directement avec leurs enseignants. Mais comme il y a des étudiants qui ne pouvaient pas assister à ces séances, il fallait qu'on fasse également une synthèse écrite des réponses. On a proposé en plus des vidéos courtes sur certains points particuliers du cours en plus du poly. Pour les TD, on avait les séances de TD en comodal, mais pour les étudiants qui n'auraient pas pu les suivre pendant leur semaine distancielle, on a proposé des corrections écrites détaillées et avec des indices. Et dans les retours qu'on a eu des étudiants, on a eu beaucoup de retours d'étudiants qui auraient voulu plus de vidéos des vidéos de cours longues ou des vidéos de correction de TD. Et donc, voilà, là, on est un peu sur une multiplication des supports pédagogiques qui nécessitent un investissement extrêmement important de l'équipe pédagogique. C'est extrêmement lourd. Et puis, on peut se poser la question à un moment, est-ce que ça ne devient pas contre-productif d'avoir trop de supports? Si pour les étudiants, on propose des séances de TD en direct, des corrections écrites et des vidéos de correction, est-ce qu'il n'y en a pas qui vont aller à la séance, qui vont ensuite aller lire la correction et puis qui ensuite vont aller voir la vidéo pour vérifier que, parce qu'ils sont il y a un truc qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils veulent avoir une autre version du corrigé. Donc, au bout d'un moment, si on multiplie les supports, ça peut aussi devenir extrêmement chronophage et peut-être contre-productif pour les étudiants. Donc là, ce n'est pas facile à gérer. Alors, dans notre sondage, on a aussi posé la question aux étudiants. Combien de temps est-ce que vous travaillez chaque semaine selon que vous êtes sur une semaine en présentiel et sur une semaine en distanciel? Donc, sur les semaines en présentiel, donc c'est le temps de travail, dans la question qu'on avait posée, c'était le temps de travail en plus des heures passées en cours TD, RP et TP. Donc là, on voit qu'on est sur le pic qui se trouve aux alentours sur entre 1 à 2 heures ou 2 à 4 heures, quoi. Et pour les semaines en distanciel, le pic est légèrement shifté vers la droite avec un maximum qui va être entre le 2 et 4 heures et 4 à 6 heures. Donc, si on compare ça au référentiel européen qui nous dit que pour 9 ECTS, le travail que devrait normalement fournir un étudiant... Alors, allô. Pas de souci. Donc, le référentiel européen... Les nazis reviendront conquérir ceux qui leur revient de droit. Tenez-vous prêts. Vous ne serez pas épargnés. Qu'est-ce qui se passe? Tenez-vous prêts. Vous ne serez pas épargnés. Quoi, il y en a un sabotage. Vous ne serez pas épargnés. Sabotage, là, je crois, oui. Ouais. Oui. Est-ce que Julien a coupé la personne qui est en train de ça? C'est bon? Ok. Ah, de revenir. Ouais, c'est bon. Ok. Merci. Le référentiel européen, il nous dit que pour 9 ECTS, c'est normalement 10 à 15 heures de travail personnel, donc en plus du travail en présentiel.
présentiel réparti sur 13 semaines. Donc là, vous voyez, on en est très loin. Et ça pose la question de la répartition de la charge de travail entre les différentes UE. Est-ce qu'elle est bien équilibrée? Est-ce qu'un étudiant il consacre trois fois plus de temps à une UE à 9 ECTS plutôt qu'à une UE à 3 ECTS? Ça, c'est des questions ouvertes. Donc, si on veut essayer de dresser un petit peu un bilan de tout ça, une des choses qui est ressortie pour nous cette année, c'est lorsqu'on met en place des outils en L1, il ne faut pas oublier que ça s'adresse à une équipe d'enseignants composée de plusieurs dizaines d'enseignants et ça va s'adresser à plusieurs centaines d'étudiants. Et donc, il faut vraiment limiter au maximum la difficulté technique des outils utilisés, sinon tous les problèmes deviennent absolument ingérables à cette échelle-là. On a constaté, comme beaucoup, que c'est très difficile de stimuler les étudiants à distance en L1. Les étudiants, ils prennent peu la parole, ils posent peu de questions, ils n'activent pas leur caméra, on leur propose beaucoup de supports, mais ils ne les utilisent pas forcément, quoi. Le temps de travail qui est consacré par les étudiants à cette UE, indépendamment des modalités pédagogiques, ça ne permet pas une bonne acquisition des compétences. On est en dessous de ce qui est nécessaire pour une UE à 9 ECTS. Les étudiants ne peuvent pas s'en sortir en majorité avec le temps qu'ils consacrent à l'UE. On a constaté aussi dans les retours qui ont été faits par certains étudiants que le fait qu'il y ait des modalités pédagogiques différentes entre les différentes UE, parfois ça suscite un peu des incompréhensions et certaines demandes des étudiants qui viennent nous dire « vous voyez, en maths, pour les TD, ils font comme ça, alors pourquoi est-ce que vous ne faites pas pareil ?» Et grosso modo, souvent, ce qui revenait dans ces demandes, c'était des vidéos de cours, des vidéos de correction de TD. Et là, ça rentre en… Donc là, il y avait une demande récurrente de plus de vidéos, synchrones ou asynchrones. Et là, ça rentre en contradiction avec les directives qu'on a eues de la présidence de SU et aussi de certaines recommandations qui nous avaient été faites par des enseignants du premier semestre. Et juste pour terminer, la mise en place de tous ces supports, la gestion du distanciel et du présentiel, ça a demandé un gros travail, c'est assez lourd, ça demande beaucoup de temps et d'investissement de la part de toute l'équipe pédagogique. Voilà, merci de votre attention. Merci Romain, merci Jean-Loïc. Alors, je vais arrêter le partage. Je vois que Vanda Wengo a levé la main, donc c'est à toi. Oui, ouais. Merci. C'est le temps de laisser les autres réfléchir aux questions. Mais il y avait une question que je me suis posée hier aussi. Et sous ce type de remarques, des participations, alors moi, je n'enseigne pas en L1, là, je vais les faire à la rentrée pour la première fois, mais j'ai toujours l'impression que c'est pareil dans les amphis physiques par rapport à l'interaction. C'est-à-dire quand on dit, heureusement qu'il y a ces trois ou quatre étudiants qui posent des questions, moi, quand j'ai enseigné en amphi il y a un certain temps, on est là, et heureusement qu'il y avait pareil, en présence, ces étudiants qui étaient des repères. Donc, il y a certaines choses, je me demande si ce n'est pas plus souligné parce qu'on est à distance et on voit des choses, ces écrans noirs. C'est aussi des étudiants peut-être qui font semblant de nous regarder en présentiel et qui sont complètement déconnectés, ils font autre chose. Et voilà, je m'interroge. Bon, après, si tu veux, c'est la première fois que vous ne l'avez pas enseigné en présentiel, mais par votre expérience, dans les amphis présentiels, on sait, est-ce que vous trouvez que c'est beaucoup plus interactif, plus animé, des étudiants participent beaucoup plus que la remarque pour les CM en particulier, je pose la question. Ah, vas-y, tu veux répondre, Jean-Luc. En fait, on a quand même enseigné un petit peu en présentiel l'année dernière, avant le premier confinement. Globalement, c'est vrai qu'il y a une chute. Sur le semestre, c'est sûr qu'il y a une chute. Mais je pense qu'on aurait eu quand même plus d'étudiants en présentiel, parce qu'il y a des étudiants qui ont vraiment besoin d'interaction physique pour intégrer le cours, même s'ils sont un peu décalés dans leurs apprentissages, ils ont besoin de cette interaction physique. Ça, on a eu comme retour.
Et on le ressent quand on est en amphi. Certains étudiants n'osent pas poser de questions, mais on sent qu'ils sont avec nous et on peut les solliciter pour essayer d'interagir, même pour, parce que dans le cadre de cette UE, normalement, il y a des expériences en cours. Donc, ils participent aussi aux expériences. Donc, il y a un taux de présence, je pense, qui aurait été un peu supérieur que 20%, parce que là, quand même, sur quasiment 1000, ça fait 200 étudiants sur 7 amphis. On aurait eu plus d'étudiants, ça c'est sûr. Donc, sur la partie interactivité, enfin, ma question était plus aussi dans l'amphi, enfin, par rapport au volume, effectivement, mais quand ils sont en amphi, est-ce que vous trouvez qu'ils sont plus actifs? On peut plus les solliciter et ils ne peuvent pas dire non quand on les sollicite. Donc, voilà. Ils sont, effectivement, je pense qu'ils sont un peu… Alors moi, ça fait quelques années que je fais des amphis en L1. Alors effectivement, les gens qui posent des questions en amphi, c'est un peu toujours les mêmes, mais et ils sont pas des dizaines, c'est clair. Mais là, le phénomène était quand même plus marqué et vraiment, moi en tant qu'enseignant, j'ai trouvé ça difficile d'être face à des écrans noirs, des gens qui tu leur demandes est-ce que vous avez des questions et qu'il y a personne qui répond, il n'y a rien du tout. Tu peux même pas les regarder, tu vois même pas en les regardant. Est-ce qu'ils comprennent un peu quelque chose? Est-ce qu'ils sont perdus? Est-ce qu'ils sont partis faire autre chose? C'est vraiment pas, pour un enseignant, moi j'ai trouvé ça difficile. Et les années précédentes, même s'il n'y a pas énormément de monde qui pose des questions, pas forcément pendant la séance, mais des fois en fin de séance, une fois que le cours est fini, bah, les gens ils descendent de l'amphi, ils viennent te voir au tableau, et là tu peux avoir 3, 4, 5 personnes qui viennent te poser des questions à la fin du cours, et tu peux répondre à tes questions, et là tu es un peu dans l'interactivité. Et ma petite deuxième question, enfin même grande plutôt, c'est justement pour l'année prochaine, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont à récupérer et de tout cet effort, parce que là, on ne peut pas dire que c'était de l'hybridation, hein, c'était vraiment un peu des contraintes qu'on a fait. Est-ce que vous pensez que vous allez réutiliser certains aspects ou certaines idées qui ont apparu pour quand on retournera sereinement à une vie normale, il y a des choses à garder de cette expérience? Je pense que oui, il y a des choses à garder. L'histoire des quiz, c'est à peaufiner, mais je pense que ça, c'est un élément qui est assez intéressant. Alors, est-ce qu'il faut mettre une carotte derrière pour pouvoir vraiment finalement forcer les étudiants à avoir un apprentissage continu? Ça, c'est une discussion qu'on aura. Je pense que les capsules vidéo aussi, il y a des points assez intéressants qu'on pourra peut-être garder, notamment parce qu'il y a quand même une partie de l'UE qui est une enseignement à distance. Donc, il y a aussi, pour eux, il y a un certain nombre de supports maintenant qui vont être exploitables. Alors, sachant que le public d'étudiants à distance est un peu différent. Eux, ils sont très dans l'optimisation du temps, donc c'est un tout petit peu différent. Mais je pense effectivement qu'il y a des supports. Alors, tout ce qui est TD, tout ce qui est indice, correction, c'est des choses qu'on mettait déjà plus ou moins à disposition avant le premier confinement. Pas sous forme aussi détaillée, c'était plutôt des éléments de correction qu'on mettait en place, mais c'est des supports probablement qu'on gardera pour une situation normale, on va dire. Et dans les choses qu'on pourrait éventuellement réutiliser, peut-être, il y a quelque chose qui a été quand même utile. C'est l'outil qu'on avait mis pour récupérer des questions pour que les étudiants puissent poser des questions pendant la semaine. Alors, ils ne sont pas très nombreux à avoir posé des questions. Si on fait le bilan, je pense que la très, très, très grande majorité des questions ont été posées par à peu près 8 étudiants, donc à peu près 1% de la promo. Mais ça a quand même permis de faire émerger des points qui n'étaient pas très clairs dans le politcours, par exemple. Et donc ça, nous, vu qu'on a rédigé une note, des notes de synthèse pour les étudiants qui ne pouvaient pas assister aux séances de réponse aux questions, ça va nous permettre d'améliorer notre politcours. Et un outil comme ça, c'est facile, c'est léger et c'est facile à mettre en place. On pourrait le garder, ça peut faire. Des fois, s'il y a une bonne question qui sort dans un amphi, eh bien, les autres chargés de cours, ils peuvent s'en emparer, faire un retour dessus lors de la séance suivante. Ça, c'est un outil intéressant. Je passe la main à Monsieur Desbarbieux. Ce que je n'ai pas encore vu, donc. Alors, c'est plus un partage. Jean-Loup, on t'entend très faiblement.
Ok, d'accord. J'essaye de... Je vais vous augmenter le gain. On t'entendait quand même. Hein. Oui, oui, mais maintenant... On elle est un peu plus forte. Là, on va m'entendre un peu plus. Hop. Hop. Là, vous devriez plus m'entendre. Alors, oui, je disais donc, c'était plus un partage d'expérience sur public comparable, sachant que j'intervenais en cours et en TD pour une autre UE2L1 qui avait lieu sur la même période, avec un certain nombre de partis pris qui allaient dans le même sens que ceux que vous avez pris et d'autres qui étaient plutôt un peu différents. Donc, nous, on avait opté pour une organisation consistant à réaliser l'intégralité des TD en présentiel, déjà donc en répétant les TD deux fois, finalement, et du coup en diminuant le présentiel de TP. Et donc avec plus de TP à réaliser à distance, ce qui était possible en informatique. Je suis enseignant en informatique. Concernant les cours, on était sur une approche relativement proche de la vôtre, sachant qu'on était à peu près un effectif un peu plus faible, environ 750 étudiants, par contre répartis sur seulement trois cours magistraux, et pour lesquels aussi on procédait par la mise à disposition plus ou moins en avance de phase par rapport à la séance normale de cours d'une vidéo, d'une ou plusieurs séquences vidéo, mais qui totalisait, je dirais, au maximum 45 minutes d'expérience sur le semestre, suivi d'une séance de questions-réponses comme vous. Donc, sur le créneau habituel de cours d'1h45, donc le début du créneau était systématiquement consacré au visionnage de la séquence enregistrée, puis à une séquence de questions-réponses. Alors, il se trouve que j'avais le premier cours magistral de la semaine, le lundi après-midi, et donc probablement le plus suivi des trois, et on commençait à 240 étudiants connectés la première séance. Je me suis dit, oulala, mon compte Zoom va atteindre ses limites, pour terminer raisonnablement un peu plus de 60 à la fin de 10 séances. Mais c'était des séances très vivantes, en fait. Nous, l'expérience de participation en cours, alors évidemment, ça passait quasi exclusivement par des messages sur le chat, mais c'était vraiment très intense le temps après le visionnage des vidéos. J'ai souvent été limite pour déborder. Ouais. Et ces échanges, ça portait sur le contenu des vidéos essentiellement ? Oui, essentiellement le contenu des vidéos, mais on avait un petit peu aussi de questions sur les exercices de TP, ce qui est arrivé un petit peu. Et parfois, alors, ce qui était un élément intéressant aussi, c'est que la vidéo était mutualisée pour les trois cours magistraux. Donc, les étudiants avaient rigoureusement le même exposé sur la première partie du temps. Et on faisait les vidéos à tour de rôle, les trois enseignants d'amphi. Non, c'était très actif. Par contre, mon expérience en tant que chargé de TD en présentiel, c'est que les étudiants étaient complètement apathiques. Mes séances à distance étaient plus vivantes, bon, alors avec un plus gros public évidemment qu'un demi-groupe de TD, étaient plus vivantes que mes séances de TD. Quoi. En TD, je suis souvent un peu énervé face aux étudiants, bah, allez, vivez un petit peu, quoi, réveillez-vous. Quoi. Et peut-être encore une toute petite différence, nous on avait aussi des quiz en lien avec les thèmes de cours, des quiz plutôt un peu ardus aussi probablement, et qui était rédigé donc par une autre collègue. Donc, aucun des trois chargés de cours, on lui avait donné les thématiques des cours à l'avance, elle avait fait les quiz, mais avant que les vidéos soient disponibles, vu que les vidéos étaient disponibles en général quelques heures avant la séance officielle.
Et donc, ces quiz étaient évalués et comptaient pour une part marginale de l'UE, je crois 5% au final de la note d'UE. Mais donc, il y a eu une bonne participation. Il y a eu beaucoup d'échanges aussi sur le forum à propos de ces quiz. Bon, l'enseignante avait fait exprès d'introduire quelques erreurs dans les quiz. Voilà, ce qui a permis à tout le monde de participer, de dénoncer. C'est terrible injustice, mais voilà, cette partie-là était quand même finalement plus vivante que le présentiel. Voilà. Mais c'est vrai que pour réagir un peu à ce que dit Agnès, effectivement, on a dû faire face à une génération d'étudiants qui avait eu très peu l'habitude d'interagir en présentiel avec un enseignant depuis un an, quoi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Je veux bien poser une question. Je ne sais pas lever la main. C'est à toi, Pacom. Ok, merci. Vous en avez déjà parlé, hein, mais je voulais revenir sur ce point. Peut-être c'est la multiplication des supports. Est-ce que certains étudiants ont paru perdus dans le sens où ils ne savaient plus quoi faire? Est-ce qu'ils se sentaient obligés de regarder, utiliser tous les supports alors que certains peuvent être redondants? Dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes fait une idée là-dessus? Et dans quelle mesure ça peut être appliqué à ensuite quand vous allez repasser en présentiel, j'imagine. Dans quelle mesure vous allez mettre à disposition du contenu, des supports différents? Est-ce que vous allez le faire, mais vous allez donner des conseils pour savoir comment utiliser ces supports, comment apprendre, etc. Voilà, c'était autour de ces questions-là. Oui, alors juste avant de répondre à cette question, il y a quand même un point que nous, dont on avait appris du premier confinement, c'était la communication avec les étudiants, c'est-à-dire éviter d'envoyer un certain nombre de mails. On envoyait des messages et des annonces via Moodle de manière très, très sélectif et très, très, où on donnait une information qui était claire, voilà, et on attendait d'avoir plusieurs informations pour la donner dans un seul message pour éviter d'avoir tout un tas d'informations qui diluent d'autres informations. Donc, ça relie un peu à cette question-là, c'est-à-dire, donc on a senti dès le début de l'UE qu'il fallait qu'on organise un peu les choses pour que l'information soit la plus claire possible malgré les différents supports. Donc, c'est pour ça qu'on avait essayé de scénariser, on avait contacté notamment Nirina, là, que je vois en vignette noire, il ne se met pas, il se cache. On avait notamment contacté Nirina pour essayer de réfléchir à ce problème-là. Donc, il nous avait conseillé effectivement de faire ce petit cartouche-là pour que les étudiants soient un peu au courant de ce qu'ils avaient à leur disposition et ce qu'ils pouvaient faire dans la semaine. Donc, ce qu'ils avaient à faire dans la semaine en distanciel avec les différentes étapes. Donc, dans les commentaires, dans les 400 réponses, là, on n'a pas vraiment vu de problème à ce niveau-là. C'est nous qui nous posons la question de la multiplicité des supports. On n'a pas ressenti d'étudiants qui nous ont dit il y a trop de choses, on ne sait plus quoi faire, on est tout perdu. Je pense qu'ils ne sont pas tant que ça perdus, mais par contre, ils sont peut-être sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont choisir un support particulier. Et puis, c'est celui-là qui vont… Vu que nous, on a un poly de cours et c'est assez bien identifiable comme… voilà, Donc là, pour eux, c'était vraiment le support essentiel, avec notamment les TD. Là, dans les commentaires, on a vraiment des gens qui disent « Moi, j'utilise le poly de cours et les TD pour travailler l'UE parce que c'est la modalité qui… Les TD sont assez proches de la modalité par laquelle je vais être évalué. Donc, » Donc, ça, c'était assez clair. Donc, on n'a pas ressenti, pour répondre clairement, on n'a pas ressenti directement de la part d'étudiants ce problème-là. Voilà. Après, nous, on se pose cette question-là quand même. On se l'est posé notamment par rapport aux demandes qu'il y avait de faire des vidéos de correction de TD. Oui. Parce que là, vraiment, ça aurait fait doublon avec les corrections écrites
détaillés qu'on proposait. Là, dans la version actuelle, il y avait pas vraiment de doublons en fait dans ce qu'on propose de choses redondantes, hein, mais on s'est posé la question par rapport aux demandes, notamment sur les vidéos de correction de TD. Merci. Agnès qui veut poser une question. Oui, je veux bien. En fait, je voulais faire remarquer pour l'assiduité, c'est lié à cette crise, mais notre planning n'était vraiment pas adapté. En fait, pour une jauge à 50%, il faudrait un planning adapté. Et là, c'est très difficile à faire. Et même si on est à 50% l'année prochaine, ça m'étonnerait qu'on soit plus adapté que ça. Donc ça, c'est un des problèmes de l'assiduité. Un étudiant peut avoir juste un TD dans la journée, il ne va pas vouloir se déplacer, faire ses 2 heures de transport pour venir au TD. Ensuite, il y a eu un problème au S2 qui avait moins au S1, c'est que les étudiants ne se connaissaient pas. Au S1, ils avaient créé une espèce d'ambiance de groupe, puisqu'ils ont démarré ensemble. Et au S2, ça leur a beaucoup manqué, en fait, ce travail en groupe. Donc, du coup, il y avait moins de stimulation, ils ne pouvaient pas se raccrocher à quelque chose, ils étaient vraiment plus seuls. Donc, ce qui implique un peu le découragement et le manque d'assiduité, toujours. La difficulté aussi pour les étudiants, c'est, malgré les efforts, on a essayé de faire un petit peu de discussion entre eux, c'est les difficultés à se réadapter à chaque UE à des choses un peu différentes. Donc, chacun ayant un petit peu ses particularités, ses façons de faire. Et ça, c'était difficile aussi pour les étudiants. L'autre point, je vérifie si j'ai rien oublié. Non, mais c'est tout. C'est tout. J'ai 3 choses que je vais faire marquer. Merci Agnès. Monsieur Noël. Merci. Moi, j'avais une question à propos des quiz. Donc, j'ai bien compris que les quiz étaient complètement optionnels et n'apportaient aucune note. Mais par rapport aux évaluations, on va dire classiques, est-ce que c'était comparable? Ou alors c'était vraiment des petits exercices, etc. Les étudiants n'ont pas ressenti que ça allait être complètement différent par rapport à un gros problème. Je ne sais pas comment vous évaluez dans l'UE, mais parce que moi, mon expérience personnelle, j'ai parfois, même sans donner de points pour les quiz, si on dit qu'il y aura un sur, je ne sais pas combien vous en avez mis, mais beaucoup, j'ai cru comprendre. Si on dit qu'il y aura un des exercices qui sera extrait de la banque des quiz et de les mettre dans l'évaluation finale ou dans les contrôles continus, ça motive sans pour autant donner trop de points à des choses qui seront pour l'auto-formation, l'auto-positionnement, etc. Donc, je ne sais pas si… Ouais, non, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aurait pu envisager effectivement, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais ça aurait pu… Alors moi, je suis toujours un peu réticent à l'idée de noter les quiz parce qu'on avait eu une mauvaise expérience en 1P04 il y a quelques années où on faisait des WIMS qui étaient notés et qui comptaient à la fin, je crois, pour 10 points sur 100. Donc, c'était beaucoup quand même. Et on s'apercevait que les étudiants trichaient massivement et qu'ils s'organisaient dans certaines filières comme la PEIP pour tricher tous ensemble. Et donc là, ça pose des gros problèmes. Si tu l'intègres dans l'évaluation papier. Voilà, et c'est pour ça qu'actuellement, moi, je serais plutôt pour. C'est vrai que bon, cette année, on avait plein de choses sur le feu, on n'a pas forcément pensé à ça, mais l'idée de dire aux étudiants que dans le contrôle ou l'examen, il y aura un exercice tiré des quiz pour les motiver à les faire, ça peut être une piste intéressante. Et c'est le même genre d'exercice c'est plus petit en fait. C'est en général, tu es soit sur de la question de cours, soit sur de l'application très directe, alors que dans les problèmes d'examen, tu es sur des choses plus développées, avec plus de calculs, des choses qui sont difficiles à traduire sous forme de quiz.
Je peux prendre la main juste. Oui, vas-y, Boris. Boris, ouais. Sur cette chose-là, il y a dans les quiz, effectivement, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait ça. Les dernières questions des questions d'application, typiquement sur 5 questions, il y en avait une qui était quasiment une résolution de problème. Donc, c'est-à-dire du niveau de qui nécessite, on va dire, 20 minutes de réflexion pour pouvoir répondre. Donc, mais c'est vrai que c'est une question sur. Sur 10, quoi. Mais tu parles du quiz, effectivement, là. Ce genre. Je parle du quiz. Hein. D'accord. Ça veut dire que l'étudiant moyen qui doit faire le quiz d'application, il doit passer un certain temps. Enfin, il faudrait regarder combien ils ont passé de temps sur les quiz, mais il doit passer un certain temps, ne serait-ce que sur cette question-là. Sur les questions d'application, sur les questions de cours, ça peut se faire vraiment très rapidement si on connaît son cours. Mais sur les questions d'application du cours, il y avait, on va dire, 3 questions à application directe. Une question où il faut réfléchir un petit peu plus, et puis une question où il faut carrément poser des équations, les résoudre. Et tu vois, je sais pas, moi, la clepsydre, quelle est la forme, et ben, il faut y aller, quoi. Tu dois commencer à poser des équations. Du coup, les étudiants devaient faire ça, et éventuellement, c'est vrai que comme ce qui a été fait. Par Romain et Jean-Loïc d'inclure une question dans l'examen qui correspondait au RP, aux résolutions de problèmes, ça pourrait effectivement être ce que tu dis, Yves, une des questions du quiz mise à l'examen, c'est envisageable, je pense. Ce type de question-là, c'est envisageable en tout cas. Et j'avais une deuxième question, mais je vais peut-être faire tourner la parole, je reviendrai après. Jean-Loup ? Bon, alors je reprends sur ces questions de l'évaluation. Je pense qu'effectivement, on a eu des approches assez différentes de l'évaluation où nous, effectivement, on évaluait les quiz, mais on a aussi utilisé pas mal Code Runner pour tout ce qui était TP. Donc finalement, ils avaient pas mal de remises à faire dans le temps. Vous, j'ai l'impression que vous avez surtout fonctionné avec des contrôles continus, plusieurs répartis sur le semestre. Mais ça ramène un petit peu une question qu'on avait débattue dans un autre cercle, notamment avec Agnès ou autre, c'est est-ce que finalement ce qu'on met en place là, qu'on met en place avec une intention de participation de l'étudiant au cours de semestre, est quand même beaucoup interprété comme une évaluation et finalement un suivi de l'enseignement sur le semestre qui est très guidé par le rythme des évaluations. On a eu notamment des remarques amusantes de la part d'étudiants qui disaient « Ah ben non, cette semaine, je n'ai pas pu finir en TD, on avait un CC de tel autre UE. » Et c'est vrai que ben, oui, ça m'ennuie un petit peu ce couplage très fort entre évaluation et progression de l'enseignement. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question ? On a réfléchi à cette question pour parce qu'on a plusieurs modalités pédagogiques et c'est vrai que l'idée, c'était quand même qu'il soit actif, mais sans avoir trop de carottes. Et c'est ça où ça a limité un peu les choses. Notamment en RP, on leur demandait pas de... Enfin, ils n'étaient pas notés en cours de séance. Ils devaient participer, ils étaient évalués uniquement à la fin de l'UE par un exercice à faire sur table. Et c'est vrai que les quiz, on s'est posé la question, est-ce qu'on les note ? Est-ce qu'on fait quelque chose pour les forcer finalement à faire ces quiz au long du semestre ? Et on s'est vite rendu compte que par rapport à forcer tout le temps les étudiants à avoir une évaluation, bah, finalement, les aidait pas non plus à prendre conscience du travail qu'ils avaient à mener personnellement, quoi, et c'est vrai qu'après ils ont des choix à faire. Après, nous là on tire un certain nombre de conséquences. On dit pas que c'est enfin voilà, on aurait bien voulu qu'il y ait plus de participation si on parle des quiz, mais il y a des étudiants qui ont sûrement très bien réussi qui n'ont pas fait ces quiz. L'idée c'était plutôt d'aider les étudiants pour se rendre compte où ils en étaient dans leurs apprentissages. Mais c'est vrai qu'il y a une sélection dans le travail, on le voit bien dans le temps de travail là. Évidemment, c'est une photo à un instant donné où les étudiants ont dit bah, « moi, en gros, j'ai travaillé 2 heures », mais on se doute bien que la veille ou la semaine précédant le CC, bah, peut-être qu'ils ont travaillé 3-4 fois plus.
Donc oui, il y a eu, on a eu cette réflexion-là. On voulait mettre 3 CC. À l'origine, on devait mettre 3 CC, 2 samedis matin et puis lors de l'examen de cohorte finale. C'était ça l'évaluation normalement de l'UE. Finalement, du fait du, je ne sais plus combien de confinement, on a perdu un CC. Et ça, ça a été, moi, j'ai trouvé personnellement très préjudiciable pour les étudiants. C'est eux qui ont le plus perdu dans l'affaire parce que ils n'avaient plus que 2 notes pour, si on se plante au premier contrôle parce que voilà, on savait plus, on savait pas, il nous manquait un certain nombre de choses, on n'arrivait pas bien à travailler, on avait encore 2 autres examens pour se rattraper et là, il n'y a pas eu ça. Donc, on s'est posé ces questions-là. C'est pour ça qu'on n'a pas mis trop de rendus. Et les TP, nous, ils étaient à faire sur place. On ne voulait pas qu'ils aient à rendre les TP après. Ils devaient rendre le compte rendu à la fin de la séance de 4 heures de TP pour ne pas avoir notamment de travail en plus sur cet aspect-là. Voilà. Yves ? Je reprends. Du coup, justement, là, tu disais, mais certains étudiants n'ont sans doute pas fait les quiz, ont très bien réussi, mais tu montrais un graphique là, avec une belle régression. Juste pour être bien sûr de comprendre les points, c'est déjà des moyennes sur les étudiants. Là. Ils m'ont l'air très bien répartis au niveau de l'axe des abscisses. Donc, je suppose que c'est le résultat moyen pour ceux qui ont fait, je ne sais pas, 10% des quiz, c'est ça ? C'est ça, oui. En espérant que je n'ai pas merdouillé en faisant mon programme. Pardon ? En espérant que je n'ai pas merdouillé en manipulant mes données. D'accord. Donc déjà, cet effet-là, parce que souvent, quand on représente la totalité, c'est-à-dire un point par étudiant, tu as un nuage où on voit beaucoup plus les exceptions. Donc, les étudiants… Je l'avais fait ce graphe-là. On ne voit pas grand-chose. Et tu vois que ce que disait Jean-Loïc, il y a des étudiants qui n'ont fait aucun quiz et qui ont des très très bonnes notes. Mais globalement, quand tu calcules les moyennes, tu t'aperçois que ceux qui ont des bonnes notes, c'est plutôt ceux qui ont fait une bonne partie des quiz. Ouais. Ok. Et donc juste pour l'évaluation, pour rebondir ce qui était dit sur l'évaluation, donc il y a les 2 types d'évaluation que vous connaissez là. Mais c'est vrai que les quiz, ils étaient plutôt sur de l'évaluation de formative, clairement, pour apprendre tout en s'évaluant pour l'étudiant, je suppose. Donc, je pense Boris avait dû prévoir pas mal de feedback ou des choses comme ça. Après, du coup, c'est normal que ça ne rentre pas, en toute logique, dans l'évaluation finale, mais que ça prépare quand même à quelque chose de comparable dans l'évaluation finale. Enfin, je trouve que du coup, ça se justifie. Mais ce qu'il faudrait, enfin, moi je pense qu'il faudrait vraiment que cet outil qui ça serve à leur faire prendre conscience que c'est comme ça qu'ils doivent apprendre leur cours. C'est pas en relisant leur note de cours ou en relisant je sais pas quoi, il faut qu'ils se testent sur des questions. Il n'y a que comme ça qu'ils peuvent savoir s'ils ont retenu. En faisant des allers-retours. Encore mieux. Oui. C'est ce qui était proposé d'ailleurs dans les quiz. Boris avait écrit les éléments de remédiation pour chaque question. C'était aller voir à tel endroit dans le chapitre. C'était pour ceux qui l'ont fait et l'ont bien fait. Évidemment, on a noté dans la présentation là, des cas un peu pathologiques. On ne donnera pas le nom et prénom de certains étudiants extrêmement actifs, mais là, qui allaient chercher vraiment qui allait vraiment au fond des choses et poser énormément de questions. Et donc, ça nous apportait aussi des éléments qu'on devait remettre un petit peu en cours. Mais globalement, quand même, il y avait des éléments de remédiation qui étaient très, très bien pour ceux qui étaient motivés pour le faire, aller chercher la réponse dans le poly, notamment. Je peux juste rajouter un petit mot sur cette corrélation-là. Je trouve ça intéressant et j'ai l'impression qu'en fait il y a les 3 choses en même temps, c'est-à-dire le fait d'avoir les quiz formatifs, parce que là c'est vraiment c'est de l'évaluation mais c'est formatif grâce aux éléments de remédiation, la corrélation qui dit finalement que ceux qui ont fait tous les quiz ils ont une meilleure note à la fin, mais et si on met ça en regard avec le graphique de gauche qui disait que l'abandon progressif des étudiants en cours, c'est aussi une. Je suis certain que tu fais la régression, tu vas avoir la même chose. C'est-à-dire ceux qui sont allés en cours
ou qui ont vu toutes les vidéos, ils vont aussi avoir des meilleures notes à la fin. Du coup, j'ai plus l'impression que c'est une forme d'abandon progressif. Hein, en gros, si l'étudiant est arrivé jusqu'au bout en ayant travaillé régulièrement, eh ben, il va avoir une bonne note à la fin. Et quelque part, j'ai l'impression que c'est une porte ouverte, hein, qu'on enfonce. Mais du coup, ça pose la question de comment faire pour motiver les étudiants à travailler régulièrement. Et du coup, j'ai l'impression qu'effectivement, des éléments comme les quiz de formation, enfin formatif, quoi, c'est un élément de réponse, c'est une possibilité. L'autre, à mon avis, ce serait d'aller dans un apprentissage actif, donc typiquement conserver les résolutions de problèmes, parce qu'à mon avis, ça, c'est quelque chose de très important. Et en particulier, enfin, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais moi, c'est ce que je ressens, c'est que le fait que ce soit en présentiel, c'était une bonne chose, mais c'est aussi un travail de groupe. Et du coup, les étudiants étaient soudés, quoi. Ils ont créé des petites équipes en groupe, travaillé en groupe pour pouvoir échanger pendant les séances présentielles, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti des RP. Alors, c'est sûr qu'on a eu de très bons retours sur les séances de résolution de problèmes. Ce n'est pas nouveau, c'était déjà le cas l'année dernière. On sait que c'est une modalité pédagogique qui plaît aux étudiants. Enfin, nous, on la trouve intéressante en tant qu'enseignant parce que c'est vraiment une formation à la modélisation. Donc, c'est vraiment un aspect important de nos disciplines. Et en plus, c'est quelque chose qui plaît aux étudiants. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va garder. Oui, on a eu pas mal de retours très positifs là-dessus. Je peux intervenir. Oui, je voulais donc en tant que responsable d'une UE sur un semestre là en L2, je voulais le 2CI001. C'est une UE à 3 ECTS. On a mis en place aussi des quiz et alors dans le but de motiver les étudiants, justement parce qu'on était sur la motivation. Là, on a choisi de les noter aussi et aussi 10 points sur 100. Alors, tout à l'heure, c'est Romain qui disait qu'il trouvait ça beaucoup. Nous, on avait eu des problèmes de triche à ce niveau-là. Oui, mais alors, nous, je pense que c'est assez... ça ne doit pas être très courant. Il a été décidé, en fait, de permettre aux étudiants de refaire ces quiz de façon illimitée. Le quiz est ouvert pendant une certaine période hein, seulement. Mais pendant toute cette période, qui est quand même, et c'est entre deux cours, parce que ça porte sur un cours et jusqu'au cours suivant. Alors les cours là, comme c'est une UE à 3 ECTS, il y a que 7 cours de 2 heures, donc et les cours sont répartis sur tout le semestre, plus ou moins toutes les 2 semaines. Enfin, ça dépend, mais à peu près ça. Et le quiz 1, il est ouvert après le cours 1, il reste ouvert jusqu'au cours 2. Et dans cet intervalle de temps, les étudiants, ils peuvent refaire le quiz autant de fois qu'ils veulent. Alors, il y a énormément de questions et évidemment, c'est un tirage aléatoire, etc. Donc, c'est ce qui a été permis de faire. Enfin, ils ont la possibilité de le refaire autant de fois qu'ils veulent. Donc, évidemment, les notes sont très bonnes. Et on pourrait dire que c'est des points donnés, mais ça évite peut-être ce que vous appelez la triche. C'est que finalement, chacun, peut-être qu'ils se mettent à plusieurs aussi, j'en sais rien, et à vrai dire, on s'en fiche un peu. Bon, nous, on a considéré que 10 points sur 100, ce n'était pas tant que ça. Ce n'est pas ce qui allait faire la différence. Enfin, ça peut les motiver quand même, parce qu'ils refont. Alors, parce qu'il y a des questions, il y a des tas de questions, beaucoup de questions, mais évidemment, il y a des catégories de questions, quoi, donc beaucoup de questions qui se ressemblent. Donc, l'idée, c'était que peut-être en refaisant, ils vont réussir à comprendre quelque chose. Ce n'est pas garanti parce que ça peut être aussi à force de répéter. Bon, voilà, c'est un peu. Ce n'est pas des singes non plus, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a choisi comme formule. Alors, je ne sais pas si ça peut éviter ce problème de triche, parce que finalement, peut-être qu'ils travaillent plus tout seul. Il s'est assez apprécié finalement. Bon, ça leur plaît. Hein, parce que pourquoi évidemment? Parce que ceux qui font ces quiz, beaucoup, enfin, il y a quand même d'assez bonnes notes quand même. Hein. Certains non, hein, il y en a qui vraiment se plantent, mais enfin, c'est quand même assez bien réussi. Ça leur donne un petit bonus. Voilà. Et sur ces quiz, si c'est noté, il peut pas y avoir de remédiation juste après la question, c'est-à-dire qu'un étudiant qui n'arriverait pas à répondre à une question,
Un reproche qu'on nous a fait, c'est une étudiante qui nous a dit eh « ben, moi, je n'ai pas réussi à faire cet exercice. Et puis, quand je me suis reconnectée, comme il y avait un tirage aléatoire, elle n'est pas retombée sur le même exercice. » Ah oui. C'est ça extrêmement frustrant. Pendant la semaine ou les quiz… Non, alors, c'est pas moi qui les ai mis en place, ces quiz. Non. Il n'y a pas de remédiation. Remédiation, c'est le feedback. Des indices. C'est des indices, ouais. Ah, des indices, non. Mais c'est vrai. Non, il n'y en a pas. Par contre, c'est vrai qu'il leur arrive, là, et en plus, peut-être encore plus ce semestre ou l'année dernière aussi, ils posent des questions quand vraiment ils n'y arrivent pas, parce que de toute façon, c'est vrai qu'ils ne retombent pas sur la même question, mais il y a comme on tire dans différentes catégories, ils retombent quand même sur des choses identiques. Et je me souviens d'une étudiante qui m'avait dit qu'elle n'arrivait vraiment pas à répondre à une question. Et là, eh bien, comme elle travaille, quand même fait des efforts, bah, je l'aide un peu sans lui donner vraiment la réponse, quoi. Oui, ils avaient posé des questions, on avait ouvert des forums. Et là, ils pouvaient poser des questions. On n'a pas eu des tonnes, mais et là, on aide un petit peu sans donner vraiment la réponse. Les forums, ça a bien marché en fait. Alors les forums, c'est un problème. On essaye de les pousser à utiliser les forums. Je sais pas si parce que c'est pénible de recevoir des questions identiques par mail, alors que le forum permet de poser la question une fois pour toutes. Et je suis un peu dubitatif quelquefois sur le forum. J'étais un peu obligé de les pousser à poser leurs questions par forum. Peut-être ils n'osent pas trop, ils ont peur que leurs questions soient bêtes, entre guillemets. Toi, Agnès, tu trouves que ça marche bien? C'est plutôt un ressenti. Il faudrait voir les stats de ceux qui ont chimie 1 et chimie 2. Mais ils avaient fait des fils par exercice et je trouvais que ça marchait pas mal. Et c'est souvent un peu les mêmes étudiants, mais ça sert au moins à tout le monde. Et quelquefois, on mettait des questions, enfin, les enseignants posaient des questions pour... parce qu'il y avait un point important à éclaircir. Donc, c'est pas mal. Il faut combiner un peu tout, en fait. C'est vrai, on voit qu'il faut utiliser différentes solutions pour arriver à motiver les étudiants. C'est compliqué. Hein. Donc, c'est pour ça que je voulais parler de cette formule de quiz qu'on a mis en place. C'est parce que justement, quand même énormément. Alors, j'ai peut-être pas regardé. Il faudrait que je regarde les chiffres pour ce semestre. Mais il y a quand même il y a énormément de participation, hein, au quiz. Hein. Évidemment, avec des quiz comme ça que tu peux refaire à l'infini. À l'infini. Non, dans la durée, dans la durée d'ouverture du quiz. C'est sûr que là, ils participent. Mais ça leur permet de s'évaluer. C'est pour ça qu'ils aiment ça, en fait. Oui. Bon. Après, je suis un peu dubitatif sur le fait que pour ceux qui vont refaire, je ne sais pas combien de fois avant de tomber sur la bonne réponse, je modérerai un peu le fait que vraiment il y a que ça reste vraiment imprimé, parce qu'on ne sait jamais. C'est peut-être un coup de chance qu'ils ont tout essayé et à un moment, ils tombent sur la bonne réponse. Alors bien qu'il y avait un tirage aléatoire, mais bon, voilà. Mais voilà, c'est une chose qu'on a essayé de faire. C'est intéressant d'entendre les. Je vois qu'on a tous des idées différentes. En fait, aussi, ça dépend du contexte de l'UE. Dans notre cas, on a déjà une évaluation qui n'est pas individuelle, qui est collective en TP, soit en binôme. Même s'ils ne sont pas en binôme, ils sont dans un groupe. Donc, du coup, il y a 20% de l'UE qui est déjà sur une évaluation, on va dire, collective. Eh oui! D'accord. Donc, les projets et tout ça, bien sûr. C'est ça. Donc, on a du mal à rajouter une autre évaluation qui pourrait être classée comme collective en plus. Oui, je comprends. Sachant qu'il faut quand même imaginer qu'on est sur des cohortes importantes. On a ressenti ça déjà l'année dernière. On avait mis en place des examens via quiz. Et on n'est pas trop sûr de qui est derrière et quelle pression les étudiants ont derrière pour faire les quiz, peut-être à la place d'autres aussi. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en considération aussi. Je crois que c'est vraiment si grave, en fait, parce qu'on n'est pas très détendu face à l'évaluation. Moi, je me dis que ce n'est pas grave. 10 points sur 100, ce n'est pas dramatique quand même. Si tu en tires un bénéfice pour le plus grand nombre. Oui, mais comme il dit, là, s'ils ont déjà 20 points. On a 20% points. Déjà de. Il y a déjà 20 points sur du travail en groupe. Bon, après, voilà, je comprends. Ouais. Non, mais ça permet aussi de lever certaines angoisses.
des étudiants tiers. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt pour l'évaluation, la vraie, à venir, etc.? Est-ce que j'ai bien compris? Et là, c'est clairement l'auto-positionnement. Et je pense que les quiz que vous avez proposés, ils étaient un peu sur ce principe-là aussi. Ah oui, puisque ce que je voulais dire aussi, c'était que j'ai eu parfois aussi des questions d'étudiants qui me disaient, voilà, ils avaient fait le quiz, ils avaient clôturé le quiz, et ils avaient, et ben, ils me posaient quand même des questions parce que sur le coup, ben, ils n'étaient pas sûrs. Ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens une comme ça, qui m'a dit qu'elle, malgré tout, elle avait toujours pas compris. Mais voilà, ça l'avait quand même motivée pour essayer de comprendre, quoi. Et à la fin, une fois que c'était fini, elle avait encore des questions parce qu'elle n'était pas bien sûre finalement d'avoir bien compris, même si elle avait refait, je sais pas combien de fois. c'était marrant. Voilà. En fait, votre remarque me fait penser aussi à la charge de travail par UE, et c'est vrai que quand même globalement une difficulté, c'est que les étudiants ont du mal à se rendre compte de la charge de travail qu'ils doivent avoir en fonction du nombre de CTS par UE. Et en fait, on a eu en consultation de copie des étudiants qui en fait découvraient que notre UE étant à 9 CTS, en fait, ils étaient peut-être plus intéressés par une autre UE ou l'autre UE, par exemple les maths ou quoi que ce soit, leur a demandé beaucoup de travail. Ils ont beaucoup travaillé. Moi, j'ai eu des retours comme ça. J'ai beaucoup travaillé telle autre matière, mais qui était à 3 ou 9 ou 6 CTS au lieu de la nôtre à 9. Et en fait, pourtant, on l'avait annoncé dès le début, on leur avait dit à peu près le temps de travail que qu'ils devaient avoir par semaine, à peu près, en moyenne, pour réussir l'UE. Et en fait, il y a quand même pas mal d'étudiants en fin de semestre qui se disent « Non, j'ai travaillé beaucoup plus parce que j'étais peut-être beaucoup plus sollicité, peut-être que j'avais des notes, des comptes rendus de TP à rendre régulièrement, et ainsi de suite. » Donc, il y a ce volet-là qui est aussi non négligeable. C'est-à-dire si on met en place, comme vous dites, des quiz où ils peuvent le faire autant de fois qu'ils veulent, c'est sûr, il y en a qui vont le faire, ils vont faire ça que ça pendant une semaine. Et c'est pas bon non plus. Ah oui, j'espère pas, non, parce que là. Mais quelque part, ils sont accrochés à ça. Donc, ils ne se rendent pas bien compte que il y a des ratios derrière. Attends, ils ne faisaient pas ça pendant une semaine. Hein, parce que moi, je pouvais voir quand est-ce qu'ils se mettaient à faire le quiz aussi, parce qu'il y a les mêmes défauts dans tous les. Certains qui me disent, bon, en plus cette année on était un peu cool, mais les premiers quiz, madame, je suis désolée, je n'ai pas réussi à m'organiser, trop de choses à faire, etc. Et donc le quiz est fermé, est-ce que vous pouvez m'autoriser? Je n'avais pas ça les autres années, hein, c'est incroyable, hein, ça j'ai eu ça plusieurs fois. Je n'ai pas réussi, j'ai eu des problèmes de connexion de ceci, de cela, ou alors à cause de la surcharge de travail. Oui, c'est vrai ça, j'ai pas pensé, ça me revient maintenant, qui m'ont demandé de rouvrir les quiz qui étaient pourtant ouverts pendant. Alors, des fois c'était une semaine, des fois c'est deux semaines, ça dépendait l'écart entre deux cours. Mais oui, tout ça pour dire que, quand même, quand je regardais les heures de. Il y a ceux qui s'y mettent tout de suite, hein, dès le cours, parce qu'on dirait que. Ça, c'est rigolo. Dès que le cours est fait, ils ont peut-être peur que ça de tout oublier ou je ne sais pas quoi. Ils font les quiz immédiatement. Et ça, j'ai trouvé ça, cette précipitation était terrible parce que après, j'avais des questions, je n'ai pas compris ceci, cela. Ou alors certains, quand même beaucoup, qui s'y prennent au dernier moment. Quoi. Ça ne change pas. Donc, je ne pense pas qu'il y en a qui faisaient ça pendant une semaine. Mais ça peut être un danger, effectivement. Juste sur l'aspect forum, là, nous, on avait, au premier confinement, on avait tenté le forum. Et ça a été un échec cuisant, c'est-à-dire que ça interagissait pas du tout. Alors effectivement, c'était un contexte particulier, il y avait aussi des étudiants qui n'avaient pas de matériel et ainsi de suite, et ils ont pas cette culture-là, parce que nous on est sur les forums de l'EAD, et c'est vrai qu'au niveau de l'enseignement à distance, ça marche beaucoup par le forum avec les étudiants qui se répondent et ainsi de suite. Donc on voit quand même un fonctionnement qui est différent. Donc c'est pour ça que cette année on a plutôt mis en place un questionnaire fermé, c'est-à-dire qu'il y avait que les enseignants qui pouvaient voir les questions des étudiants pour concevoir nos séances de réponse aux questions. Concrètement, on a eu quand même pas mal de questions. Alors là aussi, on aurait pu corréler le nombre de questions avec le nombre de semaines. On a eu plus de questions, évidemment, au tout début qu'à la fin. Mais c'était une solution un peu intermédiaire. C'est-à-dire qu'on avait les questions, comme ça, ils pouvaient formuler aussi les questions un peu à leur manière. Ils n'avaient pas... certaines questions, on avait du mal à les comprendre, donc on pouvait interagir avec les étudiants pour essayer de bien comprendre ce qu'ils souhaitaient. Mais c'est pour répondre un peu à cette question de forum là, cette année. Excusez-moi, je peux poser une question?
Je n'ai pas saisi, peut-être il faudra répéter, dans les forums de discussion, est-ce que vous aviez posé une question par un fil de discussion? Ce n'était pas juste une discussion générale, c'était ciblé par des questions? En chimie, c'était ciblé par exercice ou par test ou... Oui, normalement, ça marche mieux. Oui, comme ça, tu retrouves bien les questions. Mais en termes de volume de mails des étudiants vers les enseignants, vous pouvez à peu près quantifier, ça semblait beaucoup, c'est... On est sursollicité dans les périodes critiques, voilà. C'est-à-dire à veille d'examen, période d'examen, résultat de notes, voilà. Après, au fil du semestre, pas tant que ça. On peut interagir avec notre groupe de TD, mais c'est pas tant que ça. Moi, j'ai trouvé que les étudiants qui te contactent pour te poser une question sur « j'ai pas compris tel point dans le cours » ou « j'ai pas compris tel point dans tel exercice de TD », c'est rare. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, j'en ai une cette année qui m'a bombardé de mails toutes les semaines. Mais voilà, il n'y en a eu qu'une et du coup, tu es content de lui répondre. Et tu dis heureusement qu'il n'y en a qu'une comme ça. Ouais, il y en aurait 10, ce serait problématique. Mais dans ce cas-là, on trouverait un autre mode de fonctionnement. Mais de façon générale, même en temps normal, ils n'utilisent pas beaucoup le mail. Parce que tu leur proposes toujours, tu leur dis toujours que tu es disponible. Et ils utilisent peu, en fait. Parce que je pense qu'ils ne savent pas, comme a dit Irina, c'est pas facile de formaliser des questions. Ouais, surtout, effectivement, surtout dès qu'il y a des questions qui portent sur des calculs, sur des équations, ça complique un peu les choses. Alors, c'est vrai que l'outil Moodle est pas si mal parce qu'en fait, tu peux facilement insérer des photos, des captures d'écran. Du coup, nous, ils faisaient régulièrement des captures d'écran sur le poly de cours en disant, ah bah tiens, tel calcul, j'ai pas compris à telle ligne ou cette expression-là, d'où est-ce que ça sort? Et ça, ils l'ont pas mal utilisé dans les questions qu'ils pouvaient poser, le fait de pouvoir aller mettre des copies du poly de cours. Je vais devoir vous interrompre. Je pense qu'on va clôturer la séance. Il est 3h moins 20, 16h moins 4h moins 20. Donc, ça a été très enrichissant. Il y a eu plein de questions. Je vous remercie, Jean-Louis et Romain, d'être intervenus. Et puis, prochain rendez-vous demain. Ça merci s'enchaîne, beaucoup. Ça ne s'arrête pas. Et alors là, ça sera une autre approche. Ça sera pas comme Delva, qui est intervenu tout à l'heure, et qui, lui, va nous expliquer comment il s'est basé sur un projet de transformation pédagogique existant, ARA, Agilité et rigueur dans l'apprentissage, et comment il s'est appuyé dessus pour s'adapter à ce contexte pour enseigner en environnement incertain. Voilà. Donc, je vous souhaite tous une bonne fin de journée et merci d'avoir participé. Merci. Et, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.